What's up, gens de l'internet? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de I Love HCF. Comment vas-tu, mon ami? Ok. Parle pas. De Poulet HCF. De moi et de Peach Moody. What's up, nigga? Yo, les gars. Ça va bien, les boys? On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez vu dernièrement, les amis. Oh, il y a aussi le castor. J'ai oublié le castor. Pardonne-moi! Dernièrement les amis sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que j'ai fait, c'est beaucoup d'HCF. Et puis j'ai décidé de passer à un autre niveau. On joue beaucoup à Erizy dernièrement, mais Erizy s'est rendu un peu plate pour nous parce qu'on a pris de l'expérience un peu la plupart d'entre nous. Puis là on va vraiment décider de débuter HCF, HCTeam, excusez. Ça va être notre première map que je fais personnellement. J'ai jamais vraiment joué sur l'autre. J'ai joué sur HC Squad, mais vraiment pas longtemps parce que je me suis fait direct raid parce que je savais pas trop comment ça marchait. Là j'ai des gens qui connaissent un peu mieux ça. Donc j'ai Peach, Tyson qui connaissent ça. Puis on va recruter vous, certains d'entre vous, les abonnés qui ont de l'expérience ou quoi que ce soit. Tout ça on va faire ça dans peut-être une autre vidéo. Mais ça c'est vraiment juste l'épisode 1. Aujourd'hui c'est juste l'épisode 1. On va juste vite faire. Parler avec vous, on va vous montrer où ce qu'on est rendu et on va faire une petite balade dans le Nether. So voilà, pour le texture pack les amis, avant qu'on commence la vidéo, c'est le No Limit Private par Gozu. Gozu qui joue sur le serveur, donc ça serait cool que je réussisse à l'avoir dans ma vidéo, lui parler vite fait ou juste avoir une séquence avec lui, vu que c'est une personne que j'adore extrêmement beaucoup parce qu'il fait des magnifiques packs. Oh shit, j'ai tombé. So voilà, on a, je vais vite fait vous présenter la base. Donc on a trouvé un spawner en fait, on avait claim une base, je vais vous la montrer un peu après quand on va utiliser l'ascenseur. En gros on a un spawner en fait parce que en minant quelqu'un l'a trouvé, je pense que c'est Tyson qui l'a trouvé en minant. Puis voilà, on tape d'enchant, on a un peu de pioche, on a deux pioches fortune 3, on a 18 blocs de diamants, on a pas mal de minerais comme vous pouvez voir. Puis on a déjà une virue. Fait que là, qu'est-ce qu'on va chercher dans le Nether en fait, c'est Soul Sand. Et puis quoi d'autre, Peach, qu'on va chercher? Blaze Rod. So voilà, moi j'ai ça comme armure avec ça, plus j'ai jamais de canne à pêche. J'ai tué un gars tout à l'heure, j'ai pas pu filmer, j'étais dans une mine. C'est dommage, mais bon, voilà. Sinon, il y a plein de trucs dans les fours aussi. Si quelqu'un veut de l'XP, il peut les récupérer pour avoir de l'XP, les mettre dans le coffre. Il va avoir plein d'XP. So voilà. Est-ce que vous êtes tout le monde est prêt? Je peux faire la portée du Nether. Ok. On le fait ici. Bah, ici peut-être. Bro, ce sera pas long. Moi, j'arrive. Faut juste que je mange un peu. Tu mets toi des choses. Je vais mettre des fences pour pas. Ouais, c'est pour ça. On va le mettre genre les fences ici, non? Ouais, attends. Je vais. Ça même. Comme ça, maybe? Puis là, genre, comme ça. Ouais, parfait. Mets un autre fence au-dessus, puis on devrait faire ça ici, ça devrait être good. So, on va faire ça juste ici, les amis. So, on va faire ça comme ceci. Si je me souviens comment faire un portail, bien sûr. Je suis pas un pro de Minecraft. Hein. Moi, j'ai une F2 sur moi, donc ça, F4 aussi, ça va quand même assez rapidement. C'est bon. Vous avez mis des portillons? Les gars, faites attention pour pas se faire trap. Je vais aller porter le fer que j'ai sur moi, au cas où. Tiens, attends, je vais le donner à Castor, comme celui pourra tout placer. Donc, juste deux, trois personnes d'entre nous qui y va. Donc, je sais pas qui vient, Peach, tu viens-tu? C'est qui vient? C'est... Ok, non, Castor. Attends, on va faire un test. Est-ce que t'as speed, là? Ouais, j'ai speed. Okay, speed 2. On va y aller, moi, puis Peach... I Love HF va venir avec nous, tiens. Peach, Castor va continuer à miner. Alors FGS va venir avec nous. T'es-tu enchanté, I Love, ou je peux t'enchanter ton stuff si tu veux? Bref, les gars, je vous reprends quand on est prêt à aller dans le Nether, à tout de suite. What's up, gens d'internet? On est dans l'End, en fait. Dans l'End, what the fuck? Dans le Nether, boys. So, ouais, juste, je fais refaire la séquence que j'ai fait juste avant parce que, je sais pas, j'ai juste envie de la refaire, je me suis mal exprimé. So, oui, vous avez sur. Oh, y'a de la glowstone en haut, là. Yes. On avait sûrement vu qu'on est dans le Nether, les amis, puis y'a beaucoup de trucs que je connais pas nécessairement de HC Team. So, j'aimerais ça vraiment que, les amis, si vous avez des conseils, whatever, là, genre. Tu sais, vous voyez que je fais quelque chose de pas correct. Faites juste me le dire, les amis. Ça sert à rien de m'insulter ou me dire que, ah, oh, des calices de ce serveur-là. Parce qu'il faut tout commencer quelque part, les amis, vous avez peut-être commencé, genre, sur HC Team ou sur Parapot, ou whatever, sur quoi vous avez joué, les amis, là. Ou Hydra, ou whatever. Mais vous avez tous commencé quelque part, puis je pense que ça peut être vraiment le fun pour ma chaîne YouTube de voir, de me voir évoluer sur HC Team. Sachant que, ben, j'ai quand même acheté un grade VIP. J'espère avoir le rank YouTuber, whatever. Ça aussi, ça peut quand même être cool, je veux dire. Peut-être pas, mais je pense que ça va faire plus plaisir. Aussi, ouais, c'est un gros serveur. Ça peut vraiment être plus avantageux aussi pour vous du côté de... Enfin, vous allez avoir plus de gameplay, etc. T'sais, plus de gros fights. Parce que sur Erizy, on va pas se cacher. On commençait vraiment à se faire chier. Peach pourra vous le témoigner. On domine. Sur Erizy, les amis, on est la Power Fact. Là. On est une Power Fact. La meilleure faction. C'est pas vraiment amusant. On n'est pas les meilleurs au PvP, mais on a tout le stuff. Puis on arrive toujours à bien gérer. Ouais. On a une bonne alliance. On est vraiment une Power Fact, quoi. Sur Erizy, c'était plus vraiment amusant pour nous. Voilà. J'ai pris deux stacks. Je prends trois stacks de Susan. C'est bon.
T'as moi quand on s'amusait plus, on était allé on tapait pas nos trucs KOTH. Ouais, si on gardait nos affaires KOTH pour le end of the world finalement, c'était tellement plate qu'on s'est dit on meurt jamais presque. So on a pris nos affaires, il y a juste Poulet qui meurt avec Zabardino, mais t'sais il est arabe, so faut pas y en vouloir. So T'es où, hey, okay. T'es où le barbe? Le barbe, t'es où? Je l'ai marqué dans ma vidéo arabe. Un peu loin. Ok, attends. Speed you, motherfuckers. On accepte les dons, on va faire une boîte à dons. J'avoue, si vous faites F-show les gars, on va faire une boîte à dons au-dessus de la base, vous allez pouvoir venir nous faire nous porter les trucs. Le quartz en haut. Non, on s'en fout du quartz, non. Attention, il y a un portail là. Il y a un portail là. Ouais, mais on a-tu besoin genre maintenant là? T'as besoin de quoi pour les machines à potes? Ouais, pour faire les comparateurs. Sérieux? J'ai jamais fait ça de ma vie, moi, des machines. Moi non plus. Legit never did that. Je pense que j'en ai déjà fait une, mais genre, je suis bad là. Ouais, tu as sûrement fait un PVP faction là. Ouais, j'ai fait plein de PVP faction. Ouais, mais t'as jamais fait de machine, gros. Bref, les amis, je vous prends pour des meilleures séquences du PVP, whatever, qu'est-ce qui arrive dans le Nether. So, je vais vous compiler ça, puis je vais vous. Le Nether mettre ça est dangereux, en... les jeunes. A tout de suite. Y'a un ghast. Ouch. Ouais, on avait remarqué. T'es mieux de décoller de ta plaque. Il est où? Il est en bas là? Bouchette-vous, pas moi. Je suis tranquille. Essaye de renvoyer ses boules vers lui. Chris, imagine on arrive à l'avoir. Oh tabarnak, je l'avais direct dessus moi. Bon, ça donne de la... La régène. Vas-y, vas-y, t'es capable poulet. Ok. Oh non, y'a pas de régène. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, on l'a eu. On l'a eu. Essaye. Oui. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Régène. Régène 1. Pendant 5 secondes, infini en fait. Oh my god. Est-ce que c'était OP? T'as-tu vu comment je l'ai eu? Oh gros, je vais le mettre, je mets la séquence. Boys, on vient d'avoir une lame de gaz, je sais pas si vous venez de voir, j'ai sûrement coupé juste avant. Gros, j'ai renvoyé le truc direct sur le gaz. Pouf, en plus, j'ai gagné un achievement, boys. Je vais aller dans mes achievements. J'ai gagné un achievement, les amis, j'ai en internet. Un achievement. Regardez-moi ça. Oh mon dieu, mesdames et messieurs. Oh mon dieu, mesdames et messieurs. Oh mon dieu. Allez, en dessous de moi, les gars. Ouais, on arrive. La drogue, donc, voilà. Ta gueule, toi. Ça, y'a rien qui tombe, mon gros, hein. Oui, y'a fucking d'affaires qui tombent. Legit. Sur la plateforme. Non. Boys, on vient de trouver un spawner, so je vais juste leur donner les effets, so je vais enlever mon épée de ma hotbar. Oh, puis je vais juste leur donner les deux effets, speed plus regen. Ils ont pas vraiment besoin. T'as-tu besoin de résistance ou. Non, ouais. C'est bon. Ben, sûr qu'on déblesse, qu'on fait, ouais. Ok, ben, on va juste faire ça, les amis. On va attendre qu'on en ait pas mal. Puis, je vous reprends quand on en a un petit peu. Beaucoup. À tout de suite. Je vais juste bouffer, les gars. À tout de suite. Attends. Guys, on se reprend. So, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo pour ma série HT, mais je suis aussi en live, donc voilà. So, les amis, on vient d'aller au spawn. J'ai pas mal de trucs à vendre. So, on va vendre tout ça, puis on va voir combien d'argent qu'on a. On est déjà rendu avec 15 000 presque. 14 000 en fait. Là, faut juste que je trouve le shop. Il est où? So, where's the motherfucking shop? Et puis, dès qu'on a trouvé le shop, je vous reprendrai. C'est quoi, c'est ici? Shop. Ah, c'est shop, ça. Ok. Donc, pour les minerais, on peut vendre des diamond blocks. Ok, ça, on va vendre ça. Ok, ça. Parfait. J'espère que tu vends toutes les dames, c'est inutile. Ouais, bien sûr. Comment tu sais? Ah ben, un simple intuition. Okay, comme ça, there you go. Et puis le lapis lazuli, there you go. Ouh, I made a lot of fucking bank actually. J'ai fait 13 000. Donc j'espère que vous êtes fiers de moi. FDR. Ça nous fait combien ça au total? Ça nous fait un total de 27 000. Bon, ben bien, so, voilà, on ça c'est bien. Puis qu'est-ce qu'on peut acheter? Ouh, on peut bientôt acheter le crowbar là-bas. Ouais, moi j'ai trouvé un spawner à rien, mais assez loin. Bang! On a déjà le skeleton, fait qu'on va le prendre. Oh, il y a Zabardino! Il y a Zabardino, Carlis! Il y a Zabardino, hostie! Bon, je suis au FOM. Je vais y retourner pour un autre aller-retour, les gars. Ça sera pas très long. So, voilà, c'est ce qu'on va faire, les amis, vite fait. So, j'espère que vous êtes prêts à me voir mourir. Je vais le faire en live avec vous, comme ça, si je meurs, ben. Je vais pouvoir me suicider. Ben, au calmus, ton anus. Voilà. Ils m'ont dit dans le jargon. Je suis en live, so. This Nether spawn is so cool. The builder really. Yeah, the Nether spawn is really good, man. I like it a lot, actually. On va mettre où t'as mis le restant. Est-ce qu'il y avait du cray ou il y avait juste un stuff cray? Juste du cray, je l'ai remis. J'ai tout utilisé. Il en reste 7, donc. Ah, pis y'a 25 livres. Parfait!
Okay, I'm not at the ball here. So yeah, we're really close to the Nether portal. Go back to the spawn. Yeah, you're right. It's actually fucking beautiful. Le spawn du Nether est vraiment beau. Là, ouais, il l'ont tout modifié avec la version. Il est vraiment beau le spawn du Nether. Là. Beau, ouais. Trouve, là. Le Nether il est vraiment beau. Là. Les genres de ponts suspendus. We're back at the fucking spawn, boys. On va revendre encore. So, désolé, je parle anglais, c'est qu'il y a beaucoup de viewers qui sont anglais en ce moment. So, voilà. On est sur HT Team, les amis. C'est pour ceux qui savent pas. So, on va revendre tout ce qu'on a. Hey, le gars qui mange, peux-tu fermer ton esti de micro de marde, Carlis? Rip. La personne qui mange ne veut plus jamais manger de sa vie. There you go. So, on a vendu toute la redstone et on a encore 7000. So, FD bon, ben, All. Et c'est voilà. Je peux l'acheter si vous voulez. Mais je pense pas que mais tu ça devrais, sert à rien. Qu'on devrait attendre un peu. Donc, there we go, boys. On est rendu là, puis on se retrouve un peu plus tard quand j'ai une autre séquence PVP ou quelque chose de plus intéressant à vous montrer. Donc voilà, à tout de suite, les amis. Ciao! What's up, l'internet? J'espère que la vidéo que vous venez de regarder vous a fait plaisir. Je sais que c'était une petite vidéo, mais bon, j'ai quand même décidé de vous faire un petit boss tour pour la fin de la vidéo parce qu'on a vraiment eu le best start of the world possible. Le castor sans nom, je sais pas comment que je pourrais voir ses stats, mais il est rendu à 19 kills, on a fait des raids, on a fait plein de trucs. Malheureusement, j'étais en live quand tout ça s'est passé, donc je peux pas vraiment prendre le truc du live vu qu'il y avait de la musique copyright, etc. Si jamais sur YouTube, je vais avoir je vais me faire flag et tout. Mais en gros, si vous voulez vraiment tout voir les raids, tout ce qui se passe, etc., à part du let's play, venez dans le jour, les amis, sur mes streams. Je vais stream tous les jours à des heures aléatoires. Donc pour l'instant, on a vraiment le best start of the world possible. On a 2 stacks de blocs de diamants, on a, si on fait F-show vite fait, on a 76 000, on a max de pioche fortune, etc. La map est sortie il y a à peine quelques heures, les amis. Là, on va faire des potions. On a un spawner ici. Il y a tellement de choses. Fuck, je pourrais pas tout vous montrer. On a une trappe ici, la salette trappe. On a tellement d'affaires, les amis. C'est tellement OP en ce moment. On a vraiment un bon start of the world, plutôt, excusez-moi. Et puis j'espère que ça va se continuer comme ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les amis, sur cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu courte. Dans le prochain vidéo, je vais sûrement vous faire un petit séquence PVP. Parce que là, c'est justement ça que je m'en vais faire, un petit séquence PVP. On va essayer d'aller dans l'end, peut-être après, chercher... des perles, parce qu'on n'a pas de perles, en fait on a tous sauf des perles, so, on va peut-être essayer d'aller dans l'aine à 4 ou à 5 pour essayer de chercher un peu de perles. Donc voilà les amis, je vais vous reprendre dans le prochain épisode, j'espère que cet épisode là vous a eu plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, si vous êtes content de me voir sur HT mes amis, n'oubliez pas de le partager à tous vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, c'était Akram, salut, ciao.